Et bonjour à tous les Gwenteurs, les Gwentrices, bienvenue pour cette première vidéo de la rentrée 2020. Je suis Ozymandias et je suis très content de vous retrouver enfin après ce mois de vacances où, écoutez, bah, on s'est bien, enfin, je me suis bien reposé, je me suis bien détendu, j'ai bien pensé à autre chose qu'à Gwent et donc je suis frais et dispo désormais pour me lancer eh bien, dans l'aventure qui est ce patch 7.2. Patch 7.2 dont le patch note officiel vient de sortir. On avait déjà eu une petite vidéo review des gros changements qu'il y allait avoir sur le patch durant le tournoi qui a eu lieu le week-end dernier. Et donc voilà, maintenant nous avons l'entièreté du patch note, donc on va pouvoir regarder ça. C'est un patch note qui est plutôt conséquent, il faut le dire. Donc on va essayer de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de durer 1 heure. Si on peut essayer d'y aller un peu plus vite, ça va aller rapidement. Donc on va pas essayer de trop rentrer dans les détails, même si j'ai tendance parfois à le faire. Bref, let's go, nouveau mode saisonnier. Du coup, pendant ce mois-ci, à la fin de chaque tour, eh bien, vous allez toutes les unités qui ont un score impair vont recevoir un point de dégâts et tous les unités qui ont un score pair vont recevoir un point de boost. Voilà. C'est pas un mode saisonnier qui est extraordinaire, que je trouve très intéressant, mais ça reste toujours un mode saisonnier un peu amusant. Donc n'hésitez pas à tester. Ensuite, petite correction, enfin petite amélioration, notamment désormais quand vous sélectionnez un mode de jeu, et bien quand vous revenez sur le menu, ça va vous rester sur le dernier mode de jeu que vous avez joué. Ça c'était très, enfin. C'était pas très important, mais ça fait plaisir. Voilà, c'est quelque chose que j'avais demandé aux développeurs parce que quand j'allais faire du saisonnier, j'en avais marre de devoir resélectionner à chaque fois le saisonnier et de partir une fois sur trois en ranked avec un deck qui était fait pour du mode saisonnier. Donc voilà, donc ça fait plutôt plus, ça fait plaisir. Donc ensuite, quelques contrats qui étaient liés aux capacités qui ont été supprimées du ce patch note ont vu la progression a été transférée dans les nouveaux contrats qui ont été ajoutés. Quelques bugs ont été corrigés et voilà. Ensuite, on passe sur les cartes neutres. Alors, le froid mordant, enfin le froid blanc, la carte froid blanc était renommée Blizzard pour ne pas faire confusion avec la nouvelle capacité de faction chez Monstre. Ensuite, la capacité de Ciri a été changée. Maintenant, vous allez pouvoir sélectionner les unités auxquelles vous allez infliger un point de dégâts. Donc, vous pouvez en sélectionner 3. Avant, c'était aléatoire. Du coup, c'était pas hyper très. Enfin, c'était correct, mais c'était pas ouf. Là, maintenant, le fait que vous choisissez vraiment les unités que vous allez taper, ça reste un peu plus intéressant. Est-ce qu'on va voir, est-ce que ça va faire en sorte que Ciri revienne? Non, je pense pas, parce qu'elle est toujours un peu trop faible et trop facile à tuer. Mais voilà, c'est toujours un petit boost de prix. Ça peut être sympa. Un changement au niveau de eh bien l'éthéré qui a vu sa capacité changer, qui devient désormais déploiement gagne-zèle, et à la fin du tour il se transforme, enfin et en ordre, vous pouvez transformer la copie à droite dans une copie de lui-même. Sachant qu'on a modifié son nombre de provisions de 9 à 8, mais ça reste quand même un très 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 gros nerf pour l'éthéré. Mon Dieu, merci. Merci, cette carte, même si on ne la voyait plus dans le patch précédent parce qu'il y avait plus ce combo un peu débile avec 40 tirs, eh bien merci, cette carte était juste poser problème dans son game design. C'était si en fait vous ne pouviez pas l'arrêter parce que en fait toutes les conditions de chaque éthéré proquaient à la fin du tour. Là vraiment vous allez pouvoir tuer le dernier qui est apparu et la carte enfin le dernier éthéral qui est apparu vous allez arrêter le swarm. Alors voilà, ça donne une carte qui est certes moins forte, beaucoup moins forte, peut-être moins intéressante à jouer, mais qui peut trouver sa place dans certains decks swarm, dans certaines conditions, et sans pour autant être juste. Voilà, bah, c'est sans pour autant avoir une épée de Damoclès qui dit que cette carte peut être cassée. Et voilà, je préfère avoir une carte entre guillemets morte qu'une carte qui peut être complètement cassée et qui peut détruire le jeu, comme l'avait fait Ethéré il y a 2 mois. Néromancie a gagné un point de provision, c'est normal, la carte est trop forte. Les Watchmen ont vu leur force augmenter de 4 à 5. Les Bandits de Grand Chemin ont vu leur force augmenter de 3 à 4. Et les Jongleurs de Couteau ont vu leur force augmenter de 1 à 2. Un petit buff pour les cartes bandits, ça fait plaisir. Bon, est-ce que l'archétype bandit est viable?
Pas spécialement, mais voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On passe enfin chez Monstre. La capacité Carapace a vu une modification. Désormais, on va booster un allié de 3 et lui donner Voile. On aura 3 charges et par contre, son nombre de provisions va passer de 16 à 15. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas non plus extraordinaire. Je trouve ça ok. Mais voilà. C'est pas. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Parce que en général, voile, vous n'en avez pas trop besoin chez monstre, parce que généralement les decks monstres actuellement qui fonctionnent sont plutôt des monstres consumes, donc des monstres qui vont manger les cartes si jamais elles ont du poison, etc. Après, ça peut être utile dans certaines conditions, hein, mais si vous, typiquement vous avez une engine, bah, le Slizard qui est sur le terrain qui va manger tous les tours, vous lui mettez voile, ça veut dire qu'il peut pas se prendre de poison. Après, certes, il peut pas se prendre de poison, mais il peut se prendre toujours Vincent et venir le tuer instantanément. Donc bon, c'est ok, je trouve pas non plus ça extraordinaire, mais à tester. Nouvelle force de la force de la nature a été changée en désormais ordre. Donc avant, force de la nature, on rappelle, c'était vous mettiez plus 6 à une carte dans votre main. Maintenant, ça va devenir, vous allez jouer l'esprit de Woodland Spirit, donc l'esprit de la nature, qui et son nombre de provisions a été changé de 16 à 15. Le token, donc la force de la nature. Le Woodland Spirit, 9 de force, Doom, c'est une relique et c'est un token. Donc bon. C'est sympa. Ça permet de faire un gros tour où vous avez typiquement plusieurs engines sur le board avec domination. Boum, vous activez le Woodland Spirit. Vous avez quand même une carte à 9 qui sort. Ce qui est très bien pour récupérer 1 la domination, 2 pour trigger le développement. Ouais, pourquoi pas. Je trouve pas non plus ça extrêmement fort, mais je me dis pourquoi pas à tester. Ça peut être sympa. L'ombre de la mort a été supprimée et a été remplacée par le froid blanc qui, du coup, va permettre de bouger une unité adverse sur une autre ligne et générer du froid sur cette ligne pendant 2 tours, sachant qu'on a un nombre de provisions bonus de 15 et une charge de 2. Donc là, on est vraiment ici dans une nouvelle capacité qui est là pour booster les decks un peu froid mordant. On avait ce problème à un moment avec le, enfin jusqu'à présent avec le deck froid mordant, que c'était sympa, mais que ça manquait un peu de cartes génératrices de froid, dans le sens où bah, vous aviez les cartes bronze, vous aviez la carte écho, mais il y avait toujours des moments où bah, il y avait plus de froid pendant un tour ou deux, et notamment en fin de partie. Parce que bah voilà, vous n'allez pas garder une carte bronze qui met juste du froid, qui fait rien. Le fait que là, on récupère 2 tours de froid, donc 4 points de dégâts pendant 2 tours et 2 fois, donc de 8, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir garder des cartes un peu plus fortes sans tempo, des cartes avec des body, pas forcément les cartes, juste des cartes qui mettent du froid, qui font rien. Et du coup, ça c'est plutôt cool. Ça va permettre d'aider, à mon avis, l'archétype chasse sauvage, et pourquoi pas. Le roi Oberon a vu sa force modifiée de 6 à 5 et son nombre de provisions changer de 11 à 12. Roi Oberon est une très bonne carte, ça reste une très bonne carte, c'est un petit nerf qu'on prend, enfin c'est un gros nerf qu'on prend parce qu'on perd quand même un point de force et un point de provision. Enfin, on gagne un point de provision, donc c'est un gros nerf, mais bon. Je pense que la carte était vraiment trop forte, enfin était vraiment forte, mais ça n'empêchera pas qu'il soit toujours jouable. Le loup-garou Alpha a vu sa force changer de 5 à 6. C'est pas mal. Après, le problème, c'est que Loup-Garou Alpha, bah, il a pareil, il a développement, donc c'est sympa, mais quand t'as 6 de base sur ton développement, bah, tu triggers pas grand-chose, quoi, parce que vu que la curve des forces, bon, chauffer monstre est quand même relativement basse, ça veut dire que Loup-Garou Alpha, il va trigger, mais vraiment à la fin. Donc, c'est pas une carte qu'on va jouer sans doute tout de suite. Si on veut jouer le max de développement, on va d'abord jouer les petites larves, les larves d'Arrakas et compagnie, les vampires. Et ensuite, ça va venir combler un peu cette curve de 5-6 qu'on avait parfois un peu de mal à faire trigger, ou qu'on avait un peu un plancher à faire trigger sur les cartes qui avaient un développement un peu plus faible. Donc bon, est-ce qu'on va voir le Garou? Pourquoi pas. Dans un deck développement, pourquoi pas, mais c'est pas non plus une carte qui peut être ultime. L'Arrakas Behemoth a vu sa force changer de 2 à 3. Bon, c'est sympa, c'est pas non plus extraordinaire. Arrakas Behemoth, on le voit dans un seul deck.
qui est le deck avec la reine des maracas là. Et voilà. Donc c'est pas extraordinaire. Carantyr a vu son nombre de provisions changer de 8 à 9. Ok, donc on va nerfer un peu ce deck là, justement. On a l'impression que ça a l'air trop fort. Bon, je suis pas hyper convaincu, mais bon, quand on voit qu'après toutes les cartes. Quand on voit que Carantyr, enfin les autres cartes un peu dans le même genre que Carantyr coûtent 10, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, mais ok. Enfin, coûte 10, entre 8 et 10, ça dépend lesquels. Ok. Donc, le Wild Hunt Rider a vu sa force passer de 3 à 4. Ça trigger la domination un peu plus simplement. Bon, pourquoi pas. Et le Foglet a vu sa force changer de 3 à 4. Pourquoi pas non plus? Ça permet de trigger un peu plus facilement les développements. On passe sur Skellige et Sacrificial Vanguard. Donc, a été. A été supprimé du jeu. Ok. Sacrificial Vanguard. J'essaie de réfléchir à savoir laquelle c'est, parce que c'est vraiment un truc qu'on ne voyait pas. Ah si, Sacrificial Vanguard, c'était le. C'était la défausse, il me semble. J'ai le jeu à côté. J'ai le jeu à côté. Sacrificial Vanguard. Je vais juste vérifier que c'est bien la défausse, mais il me semble que oui. Oh là là. Cet homme qui ne connaît pas le jeu. Ouais, c'est ça. C'est bien la défausse qui a été supprimée. Et pareil, Second Souffle a été supprimé. Nouvelle capacité de leader, donc la transe de bataille. Vous allez générer et jouer un Mardrome. Et à chaque fois que vous jouez une carte alchimie, vous allez soigner un nouvel allié de 1 point. Enfin, un allié aléatoire de 1 point. Avec un bonus de provision de 16. Bah c'est pas mal, ça permet de pouvoir faire des petits decks alchimie plutôt sympas. Ça permet de faire des petits decks alchimie plutôt sympas, ouais. Puis voilà, puis il y a pas mal de. On peut jouer éventuellement un self-wounding, et en plus à chaque un self-wounding alchimie, et comme ça on va gagner des points, on va soigner. A voir, ouais, pourquoi pas. On prend. Nouvelle capacité, colère marine. Rage de la mer. Bon, je me l'aurais appelé colère marine quand même, ça aurait été plus sympa. Bon, bref, ça c'est juste moi. Donc, rage de la mer, vous allez générer. Une pluie sur une ligne ennemie pendant un tour et mettre une sirène sur la ligne opposée. Donc la sirène, vous la mettez chez vous, vous mettez une pluie pendant deux tours, pendant un tour, donc vous faites 2 points de dégâts, vous mettez une sirène, la sirène elle est à 2 de force, ok. Donc en gros vous faites 4 pour 2 de preuve pour 3 charges. Donc au mieux vous en mettez deux en même temps, ça fait 8, plus, enfin ça fait 8, ça fait 12 au total. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Après, on verra qu'il y a un peu moins de synergie qu'avant, notamment avec le Great Sword qui a vu sa capacité changer. Mais il y a toujours Dagger de l'âme. Après, est-ce qu'on voudra jouer Dagger de l'âme avec Rage de la Mer plutôt qu'avec Fureur Patricide? Honnêtement, pourquoi pas? Ça permet de booster Dagger de 4 points tout de suite. Et de se mettre en plus 4 points sur le board. Ouais, à tester. Je dis pas que c'est ultime. Je dis pas que c'est extraordinaire, mais à tester. Ok, petite correction ici au niveau de Rituel de l'Ours. Holger Main Noire a vu sa capacité changer. Vous allez infliger 2 points de dégâts à une unité adverse. À chaque fois que vous jouez un bateau, vous le boostez de 1. À chaque fois que vous jouez un pirate, vous augmentez. Vous faites un dégât de 1. Holger, je crois, il faisait rien avant. Enfin, si, il faisait la même capacité, mais il faisait pas de dégâts. Ouais, pourquoi pas. Bon, ça peut être rigolo dans un deck pirate, pourquoi pas. Brockvar, donc les chasseurs Brockvar gagnent zèle, infligez 1 point de dégâts à une unité adverse, vous avez 2 de cooldown, à chaque fois que vous jouez une bête, vous réduisez le cooldown de 1. Ok, donc on joue plus sur la défausse, mais on va jouer ou sur. Oui, c'est avant, c'était la défausse, mais maintenant on va jouer plutôt sur les bêtes. Donc on va revenir renforcer un petit peu l'archétype bête à la place de l'archétype défausse. Ok. Les Greatsword ont vu leur force changer de 4 à 10, mais leur capacité a été
a été modifié. Il s'inflige 5 points de dégâts désormais, et à chaque fois qu'une unité adverse prend des dégâts, il se booste de... Enfin, il se soigne de 1. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas monter plus haut que 10. Et ça pourrait être quand même très intéressant, parce que bah, on va penser tout de suite du coup à cette rage de la mer qui va, entre guillemets, le soigner de 4. Et en plus, on peut lui mettre un prêtre de Svalblot qui va lui taper dessus. Et en fait, ça va être une engine qui, potentiellement, ne va jamais mourir parce qu'elle va soigner en plus des dégâts que vous allez faire à vos adversaires. Et voilà. Donc, bon, après, est-ce que ça dresse... Est-ce que ça devient plus intéressant que le Drakkar avec son armure chez Skellige? Honnêtement, je suis pas sûr. C'est-à-dire que le Drakkar cuirassé, honnêtement, je suis pas sûr. Mais après, c'est si vous arrivez à le monter... facilement, vous pouvez avoir rapidement une carte qui... Pareil, avec le pouvoir héroïque, vous pouvez avoir rapidement une carte qui monte à 9... À 9 de, à 9 de force. Là, le Drakkar cuirassé, bah, il va quand même prendre du temps avant de se monter plus rapidement, quoi. Donc, à voir. À voir, mais pourquoi pas, ça peut être rigolo. Et puis, ça fonctionne, effectivement, avec le rythme de Sidrifa et choses dans le genre. Donc, ouais, why not. Alors, le Rider Ancrite, donc a vu sa capacité soif de sang corrigée pour qu'elle soit à la fois jouée ou summoned. Ok. Alors, le summon est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Harald Ancrite, Warmonger et... ok, donc le Harald a vu son nombre de provisions changer de 11 à 12. On renerf Harald. Hein. Mais globalement, vous allez voir que toutes les cartes un peu... enfin... de provisions en termes de toutes les cartes évolutives où on se fait nerfer parce que c'était vraiment trop forte. Et en fait, on voyait quasiment plus que des decks dévotion parce que c'était juste trop fort par rapport au deck classique. Le Marauder Ancrite a vu sa force modifiée de 2 à 3, très bien. Tirvi a vu son nombre de provisions changer de 11 à 10, mais la capacité de Tirvi s'est quand même bien fait défoncer le patch précédent, donc ça reste quand même très très faible, tir. Le Messager Corbeau a vu sa force augmenter de 3 à 4, pourquoi pas. Le... Aigle de sang a vu son nombre de provisions changer de 11 à 12, donc on nerf. Birna a vu son nombre de provisions changer de 5 à 6, on va augmenter Birna. Mais on gagne la capacité de Birna. Ok. Donc on a viré l'archétype qui fonctionne avec la défausse, mais on a gardé globalement les cartes défausse. C'est pas foufou tout ça. Et le Skirmish sur Turserk a vu sa force modifiée de 3 à 4. Donc, bon. On compense un petit peu la part de défausse, mais quand même, si on perd le leader. Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de squelette. Enfin, il y a un peu, il y a le squelette qu'elle a, mais il n'y a plus vraiment de tête, donc c'est un peu bizarre. Mais bon. Ok. Royaume du Nord, désormais. La capacité de mobilisation a été modifiée et passe, génère une copie de base d'un soldat bronze sur cette ligne et boostez-le de 3. Bon. Alors, ça peut être des trucs rigolos. Ça peut faire des trucs rigolos. Bon. Voilà, on va penser... Enfin, là, dans le texte, ils disent... Avec le Garde Royal de Sintra, c'est marrant. Oui, ça peut faire des trucs rigolos avec le Garde Royal de Sintra, mais c'est pas vraiment là, moi, où je me dis que ça peut être, ça peut être le plus fort. Je pense que ça peut être le plus fort dans le deck Engine, avec typiquement l'Arbalétrier de Lyrien, avec le l'Archirédanien, avec... voilà, ce genre de carte-là, avec pareil le Tambour Témérien. Enfin, dans le deck Engine, ça peut être vraiment très sympa. Pouvoir générer une engine supplémentaire. Manœuvre de pince a été modifiée. Désormais, vous allez piocher une carte Royaume du Nord de votre choix et ensuite mélanger une carte de votre main dans le deck. Et si la carte était une unité, si la carte que vous allez récupérer est une unité, vous la boostez de 5. Provision bonus changée de 12 à 15. Ok. Donc là, on va quand même garder ce côté, ok, je récupère la carte dont j'ai besoin et je l'échange avec une dont je n'ai pas besoin, ce qui est très intéressant. C'est un peu moins fort que précédemment, c'est normal, c'était le but, mais je pense que ça reste très bien, notamment toujours pareil dans un deck un peu engine, où avec... voilà, avec... Visogotha, où vous allez finalement... pouvoir poser un Visogotha à 8 de force, ce qui ne vous était pas permis avant. Donc pourquoi pas, voilà, un petit deck, pareil, encore un deck engine avec Visogotha et trucs dans le genre, manœuvre de pain, ça peut être très rigolo. Ça peut être sympa. Alors, ils ont supprimé le coup vicieux dans le. Du jeu parce que bah apparemment ça n'allait pas vraiment avec les synergies Royaume du Nord.
Ce qui était normal, en fait, juste tu fais 8 points de dégâts, tu mets du saignement, mais ça n'avait pas vraiment de synergie avec le jeu, donc ok, très bien, ça me va. Nouveau capacité qui vient de remplacer Shield Wall et Shield Wall qui est, devient boost une alliée de 2 et vous donnez bouclier, vous avez 3 charges, provision 14. Alors ça c'est vraiment, attends, ça c'est le truc, la capacité qui va faire le plus attention. Bon déjà parce que avec NC c'est vraiment fumé, c'est-à-dire que vous avez NC6, vous le mettez en zèle, vous lui donnez bouclier plus 2, il va faire 6 points de dégâts, il va recevoir 0, il va en refaire 6. Donc ça veut dire que là, déjà de base, gratuit, vous pouvez garder juste NC6 à 6 et vous pouvez aller tuer des unités qui ont 12 de force. Alors c'est vraiment stupide, c'est vraiment fou, c'est vraiment fumé avec NC6 quand même, cette capacité-là. Et derrière, ça vous permet de protéger aussi beaucoup d'unités des engines très facilement. Typiquement, on peut penser à une Anna Stringer qu'on va aller piocher ou qu'on va poser qui sort à 4. Boum, on lui donne plus de points de force, un bouclier. Elle booste 2 unités tout de suite sur le tour. Bref, c'est attention à cette capacité-là parce que vraiment, ça peut être très, 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 très fort. Et j'imagine, enfin, j'imagine bien que ça prenne un nerf très rapidement parce qu'il y a des abus qui peuvent être vraiment débiles. Ça peut permettre de voir Roi Rogner aussi, de faire un deck bouclier, pourquoi pas. Mais ouais, attention à un mur de bouclier, ça peut être très fort. Et ça peut même venir remplacer ou venir concurrencer Révolte en Royaume du Nord. C'est pareil, enfin, vous posez juste le bateau au lieu de le sortir. Vous n'avez pas, vous avez le bateau en main, vous n'avez pas l'assaut amphibie. Bah, juste vous posez votre frégate de Kerak, vous lui donnez plus de points de force bouclier et elle est quasiment invulnérable. Donc voilà, vraiment c'est trop fort. Ensuite. Le piquier Lyria a vu sa force augmenter de 3 à 4 et sa capacité changée. Infligez 2 points de dégâts à un adversaire et vous gagnez plus un boost à chaque fois que vous avez un resupply. Bon, c'est sympa. C'est un peu plus de synergie avec les cartes guerre. Est-ce qu'on l'archétype guerre. Enfin, pour l'instant, il manque vraiment des cartes or puissantes pour fonctionner avec un archétype guerre. Donc, bon. On testera des trucs pour voir si ça fonctionne, mais je suis pas sûr. Pareil pour le maître de siège, j'ai vu sa force augmenter 3 à 4, vous désormais vous boostez un allié de 2 et vous boostez en resupply, vous améliorez les unités adjacentes, les engins de siège adjacentes de 1. Donc ouais, tout sympa. Le médecin de terrain a vu sa force augmenter de 1 à 2. On s'en fout, la carte n'est pas bonne. Dunbanner a vu son nombre de provisions changer de 5 à 4. Ça peut être très intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les rentrer plus facilement. Et dans un deck avec un peu de boost, etc., on va pouvoir faire sortir ces cartes un peu plus facilement au Royaume du Nord. Donc attention, Dunbanner, ça pourrait rentrer dans les decks. Les commandos des strips bleus ont vu leur nombre de provisions changer de 6 à 5. Ça, c'est pareil, on redonne un petit boost à un commando. Ça va permettre de faire des decks commando rigolos. Donc. Voilà. Je pense que Commando, Drogueur et compagnie, le deck à l'ancienne, ça pourrait revenir avec ce genre de boost. Scoia'tael, ah, nouvelle mécanique, Harmonie. Alors, désormais, Harmonie est revenu à son ancien format. C'est-à-dire que maintenant, avant, enfin, le patch précédent, c'était vraiment quand vous jouez une carte sur la même ligne où il y avait une Harmonie, ça trigger. Maintenant, c'est vous pouvez jouer la carte n'importe où, sur n'importe quelle ligne, et le tag Harmonie va trigger. Mais la capacité a changé, il n'y a plus écho mystique, oui, mais on récupère du coup l'appel de l'harmonie qui va permettre de générer Danamed qui a 6 points de force, catégorie relique et qui a harmonie. Donc globalement, il y a des stats qui ont été faites. Harmonie, pour comparer cette nouvelle forme d'harmonie et le format d'harmonie précédent avec l'écho mystique, etc., eh bien. On se rend compte que c'est quand même, enfin, cette nouvelle version d'Harmonie reste quand même moins forte que la précédente et de plusieurs points. Ça veut dire que dès la première trigger d'Harmonie, en gros, faut compter qu'il y a à peu près entre 1 et 3 points de différence sur les précédentes triggers d'Harmonie. Ça peut sembler dérisoire, mais en fait, ça fait vraiment beaucoup. Écho mystique donc a été supprimé. Nouvelle capacité, symbiose, vous donnez une unité alliée 3 de vitalité, charge 2, bonus de provision de 15. Bon, ça c'est sympa avec la carte. Avec la carte. La dryade là qui s'augmente les effets de boost, les effets de vitalité à la fin du tour là.
Mais bon, à part ça, voilà, la Hamadryade, qui à chaque camp a la vitalité, elle se booste un point supplémentaire qui a symbiose. Ça fonctionne très bien avec ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est pas mal. Dactyl de guérilla de provision a vu son bonus augmenter de 15 à 16. Alors là, j'ai très peur, tactique de guérilla. Non, ok, tactique de guérilla, c'est pas ça, très bien. Ça, on s'en fout, c'est pas, la capacité est pas extraordinaire. La compagnie de Zoldan a vu sa capacité changer. Vous allez générer 3 nains combattants sur la ligne, et si vous contrôlez Zoldan, vous leur donnez en plus, vous donnez un d'armure à toutes les nains sur cette ligne. Bon, c'est pas mal, ça permet de donner un peu d'armure à tout le monde. On sait que les nains combattent pas mal avec l'armure, donc dans un deck nain, je pense que ça se prend. Ça se prend, clairement. La brigade de Vriad a vu sa capacité changer. Vous allez infliger désormais 2 points de dégâts à une unité. Et à chaque fois que elle bouge, elle inflige 2 points de dégâts. Très bien. Donc en gros, les premiers dégâts que vous infligez, vous ciblez. Mais après, à chaque fois, c'est du cible aléatoire. Bon, à voir si un deck mouvement se crée chez Squatel, mais je ne suis pas sûr. Gardienne Douanel a vu sa force modifiée de 3 à 4. Elle garde son voile et son symbiose, mais sa capacité de déploiement passe désormais en ordre. Donc c'est un peu plus facile. C'est un peu moins facile à tuer, mais ça, si vous la tuez, ça fait un peu moins de value. Donc, ok, petit équilibrage ici, petit nerf, mais ça passe. Le volontaire de Maca voit sa force augmenter de 3 à 4. Si vous générez un nain, vous semez toutes les copies de votre deck sur cette ligne. Voilà. Et donc, ça n'est plus lié à la ligne de mêlée. Très bien. Et ça contrôle, c'est juste un nain. Okay. Très bien. Donc, Aetné a vu son nombre de provisions modifié de 11 à 12. Ah tiens, j'ai pas vu d'ailleurs si en Royaume du Nord, on a modifié? On est passé sur Royaume du Nord. Non, on n'a pas modifié la... On n'a pas modifié le... La carte. Ah! Viraxas. Est-ce que Viraxas a été modifié sans qu'on nous le dise? Non, Viraxas est toujours à 11 de provision. Bon, après, Viraxas n'a pas un effet aussi fumé que les autres. Ce qui est à noter. Mais ok. Donc, la sentinelle de Doblatan a désormais 1 d'armure, très bien. Le chariot nain voit sa force augmenter de 3 à 4, très bien. Le bombeur de Doblatana voit. Sa force augmentée de 1 à 2, ok. Le skirmisher voit sa. Enfin, le. Le skirmisher nain voit sa force augmentée de 1 à 2, très bien. Et la sentinelle de Brokilon voit son nombre de provisions modifié de 5 à 4. Très bien. Nilfgaard! Ah! Nilfgaard. Donc, Tactical Decision a été modifié dans générer et jouer Morvran Voris. Désormais, Morvran, c'est un token, 6 de force. C'est un humain, c'est un soldat. Il va regarder les 3 premières cartes du jeu. Et vous allez piocher les 3 premières cartes de votre jeu. Attends. Ouais, c'est ça. C'est vous piochez jusqu'à 3 cartes de votre jeu. Donc vous piochez, voilà. C'est pas vous piochez 3 cartes, c'est jusqu'à 3 cartes. Vous piochez, en piochez moins. Ces 3 premières cartes hein, de votre jeu, pas les cartes que vous choisissez au fond. Et vous allez remplacer le même nombre de cartes. Enfin, vous allez les échanger en fait, c'est ça. Vous allez les échanger, vous allez échanger jusqu'à 3 cartes de votre main avec votre paquet, sachant que les cartes que vous avez renvoyées vont se mettre au-dessus de votre paquet. Donc c'est plutôt une capacité qu'on va utiliser en manche 3 pour essayer de récupérer des cartes un peu meilleures et remettre celles qu'on ne veut pas sur le dessus de notre paquet. De toute façon, on ne les repiochera plus puisqu'on sera à la dernière manche. Ensuite, repli stratégique a été supprimé du jeu. Nouvelle capacité, emprisonnement. Désormais, ordre, verrouillez une unité adverse et vous infligez 3 points de dégâts. Vous avez 2 charges. Ça fait peur, vraiment. Ça fait peur parce que vous allez pouvoir. Ça veut dire que Vanemar. Si c'est bien son nom, mais il me semble que c'est bien lui. C'est ça, c'est bien Vanemar. Va devenir extrêmement fort parce que ça veut dire que là, vous pouvez verrouiller n'importe quelle unité. Une unité à 13, typiquement, vous lui faites 3 points de dégâts, passe un 10. Vous avez un Vanemar qui arrive, qui la one-shot parce que c'est verrouillé. Donc voilà, c'est. Attention à ça, c'est vraiment très très fort. Et ouais, et pareil, à voir comment ça fonctionne avec,
avec Damien, parce que est-ce que Damien redonne deux charges? Est-ce que Damien redonne une charge? Je pense que Damien redonne une seule charge, sinon ça serait vraiment trop fort, mais à voir. Formation impériale a vu son nombre de charges réduit de 4 à 3, c'était trop fort, c'était assez fort, et son nombre de provisions a augmenté par contre de 15 à 16. Très bien. La brigade Impera a vu sa force modifiée de 3 à 4, et désormais, si vous contrôlez un soldat, vous mettez toutes les copies de l'unité sur le terrain. Alors, sachant que ça ne trigger pas, ça ne se compte pas lui-même, c'est-à-dire que vous devez avoir un soldat sur le terrain avant de jouer la brigade Impera. C'est pas si vous jouez la brigade Impera, elle se dit « Ah tiens, je suis un soldat, je trigger. » Non, il faut vraiment avoir une unité avant. Donc, ok, pourquoi pas. Oups, ça peut être dans un deck soldat, ça peut être sympa. Nausicaa Brigade a vu son... Ça a passé modifié. Vous infligez un point de dégâts à l'unité adverse. Si l'unité est blessée, vous lui infligez 3. Ok. Donc là, c'est un petit up pour dire, parce que si jamais vous la jouez et que vous n'aviez pas d'unité boostée, bah c'est une carte qui faisait rien. Là, au moins, elle fera toujours 4 points pour 4 de provisions. C'est plutôt sympa. Le nombre de provisions bonus apportées par imposteur, donc la capacité imposteur a été modifié de 14 à 15. Bratan a vu sa force modifiée de 4 à 3, c'était trop fort. Vianetrabis a vu son nombre de provisions de 10 à 9, c'était joué il y a très longtemps. Ça a été supprimé, mais ça a été un peu. Et on ne l'a plus vu. Donc là, un petit point de provision en plus, ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'on la reverra des combos avec Vivienne plus Ablette ou des choses dans le genre, ou culotte. Vincent a vu sa force modifiée de 5 à 3, mais son nombre de provisions changé de 11 à 10. C'est difficile de dire est-ce que c'est un nerf ou est-ce que c'est un buff, parce que le nombre de provisions change vraiment beaucoup, et sachant qu'on ne joue pas Vincent pour le body, on joue Vincent surtout pour l'effet de pouvoir one-shotter n'importe quelle créature. Bon, ça reste fort, ça restera très très fort, ça va pas, double balle va toujours exister tant qu'on double balle, enfin tant qu'on peut remonter le bal masqué OE, donc bon. Ok. Ça fera moins mal quand on se le prendra. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que c'est un petit nerf parce que ça va faire moins mal quand on va se le prendre. Mais bon, voilà quoi. Après, voilà, c'est compensé par le fait que l'usurpateur récupère un point de provision supplémentaire. Donc, c'est pas comme si le point de provision qu'on venait de gagner là, on allait pouvoir réinvestir autre part. Puisque finalement c'est l'usurpateur qui va se le prendre, donc enfin qui va le bouffer. Donc bon, voilà, ça va faire moins mal quand on se le prend, Vincent, mais ça va toujours faire mal. La préparation au combat a vu son boost augmenter de 1, très bien. Fifon a vu sa force changer de 2 à 1. Fifon était un peu trop fort, et surtout que généralement on jouait justement la préparation de combat sur lui. On avait des cas où on ne le faisait pas, mais là maintenant ça va vraiment devenir obligatoire parce que juste Fifon avec un point de force et quelques points d'armure, c'est un one shot quasi assuré. Donc ok. Ok. La cavalerie légère Hatfine a vu sa force monter de 2 à 3. Très bien. Hutmpack a vu sa force monter de 3 à 4. Pff, on s'en fout. Et on a rajouté la catégorie armes de siège sur les armes de siège de Nilfgaard. Syndicat. Et on arrive à la fin. On a supprimé Wildcard. On a remplacé ça par la cache des pirates. Enfin, pour. Oui, c'est ça. Pirate Cove, c'est cache des pirates. C'est caverne des pirates. Vous allez jouer Jackalsi. Jackalsi. Ok, c'est quoi Jackalsi? Nouveau jeu de Tanika. La cage des pirates. Anse des pirates. Ok, Jackal des mers, pardon. Vous allez jouer un Chacal des mers sur une ligne alliée et vous allez gagner 4 pièces pour 15 de provisions. Bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire que vous pouvez en jouer 2. Ah non, parce qu'il trigger pas tout, il trigger tout seul. Bah, si vous avez des pièces, si vous avez un deck où vous avez beaucoup de pièces restantes, ça peut être sympa. Vous pouvez jouer du coup un Chacal des mers directement et le booster, lui donner des pièces en plus. Bon, sympa. Ouais. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa. La flamme sacrée a été modifiée. Vous allez désormais jouer un Zélote sur les deux déploiements, oui. Ah d'accord, vous ne boostez plus.
Ah d'accord, désormais vous jouez toutes. Avant c'était vraiment. Oui, ça, la flamme sacrée, avant c'était vous boostiez toute la ligne. Maintenant ça booste tout le monde. Toutes les alliés du feu éternel, ça booste tout le monde. Ah oui, mais c'est pas. C'est complètement différent là. C'est fort. C'est fort. Ah oui, c'est. C'est plutôt fort, oui. C'est plutôt fort. Airborne Bossody a vu sa force modifiée de 4 à 7 et son nombre de provisions de. Son nombre de provisions changer de 8 à 7. Ah, ça prend un gros buff là. Un point de force plus moins un de provision, c'est plutôt fort. Mais son habilité a été modifiée. Vous allez infliger 2 points de dégâts à une unité adverse. Hein? Pardon? Attends. Attends. Pardon? C'est quoi cette destruction de carte là? Il est où, Borsoli? Il est où Borsodi? Il est là. Ah oui. Ah oui. Ah la. Waouh! Oh putain, la destruction. Ah la carte détruite! Mais vraiment? Genre. Bon. Borsodi avant était trop fort. Enfin, était vraiment fort parce qu'on pouvait dépenser deux pièces pour infliger deux points de dégâts. En fait, on pouvait faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais là, c'est. Bah, tu fais 2 dégâts. Mais si ton frère il est dans le cimetière, tu fais 4 à la place, quoi. Bon, ça veut dire que tu dois jouer 14. Enfin, tu joues 14 de prov pour 9 points. Ok, or, il te donne 3 pièces. Et Wald, il te fait 2 points de dégâts. Donc, on va dire que or, il est dans le cimetière. Donc, ça fait. Bon. Je sais pas si c'est hyper rentable de les jouer désormais. Mais ça veut dire qu'on enlève quand même une grosse. Enfin. Même si Ewald n'était plus trop joué ces derniers temps, on le revoyait sortir de temps en temps. Et là, c'est. Là, je pense que là, il va partir au placard. Hein. Bon. 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 Donc, Horst a vu son nombre de provisions changer de 8 à 7. Désormais, vous gagnez 3 pièces. Et si Ewald est dans le cimetière, vous gagnez 6 à la place. Alors. Warson Freak Show a vu son nombre de provisions changer de 5 à 4, son provision changer de 6 à 8, et vous ajoutez un armure, habilité modifiée, profit plus 2, et phi, donc pour 2 pièces en mêlée, vous infligez un ennemi, dommage, un ennemi élu par 2. Ah. Alors, je vais juste vérifier que c'est bien la carte auquel je crois avant de vous dire ce que j'en pense. Ok, donc c'est la bête de foire du bâtard qui est devenue. Ok, donc en fait, la bête de foire du bâtard, donc Person Freak Show, est devenue le nouveau Airborne Bossody, c'est-à-dire que vous gagnez 2 pièces et vous pouvez dépenser 2 pièces pour infliger 2 points de dégâts. Ok, la carte était vraiment très forte au début, elle était devenue très nulle. Maintenant, la bête de foire du bâtard, je pense qu'on va la revoir jouer. Enfin, c'est le nouveau Barsoddy, typiquement. Et ok, cool. Jacques a vu son nombre de provisions augmenter de 11 à 12, très bien. Le faiseur de saucisses a vu son nombre de provisions changer de 10 à 9, ok. Le casino, donc le videur de casino, a vu son nombre de pièces demandées de 2 à 1. Donc, casino, on rappelle. C'est. Vous avez folie, gage de une pièce, vous invoquez toutes les copies de la première unité sur cette ligne depuis votre jeu. Pourquoi pas. Le Sewer Rider a vu sa force modifiée de 3 à 4. Donc le Sewer, c'est égout. Donc le pilleur des égouts a vu sa force augmenter pour s'aligner avec les autres cartes qui s'invoquent toute seule. Et le prêtre de la. Rose ardente a désormais récupéré la catégorie cleric. Ok, donc c'est devenu un prêtre. Enfin, le prêtre n'était pas considéré comme un prêtre, ce qui était un peu bizarre. Mais ok. Bon, un patch assez gros, assez important, pas mal de changements, notamment cette nouvelle capacité. Attention à la capacité Royaume du Nord Shieldwall. Attention à la capacité de Nilfgaard sur le lock. Le retour d'harmonie, pas à sa belle époque, mais quand même un peu plus fort que ce que ça a été, que ce que c'était il y a les 2 derniers mois, mais moins fort que ce que ça aurait pu être. Bref, ça a l'air d'être un patch
plutôt sympa. Honnêtement, ça a l'air d'être un patch plutôt sympa. J'ai hâte de voir les nouveaux archétypes qu'on va pouvoir sortir avec les nouvelles catégories. Est-ce qu'on aura enfin un vrai deck engine sur le ladder grâce soit à la manœuvre de pince ou mobilisation, voire Shield Wall? Mais j'ai vraiment l'impression que Shield Wall, ça devient un peu la nouvelle révolte. Ça a l'air de rentrer vraiment partout. Et je pense que Revolt sera toujours joué, sera toujours fort, mais Mur de Bouclier va vraiment être très 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 puissant. Et voilà. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce patch dans les commentaires, et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on va découvrir un peu ces nouvelles capacités de faction. Sur ce, c'était Ozymandias sur WNTFR pour vous servir.